J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Attendez, je vais m'asseoir, c'est mieux. En fait, là, je ne filme pas parce que j'ai pas grand chose à raconter. Je suis à la. Il y a mon chat qui m'attaque. Je suis à la maison. Il m'attaque, il veut jouer en fait. Il m'a vu monter dans le canapé, donc il est venu pour pouvoir jouer avec moi. Je suis à la maison, ça fait une vingtaine de jours en fait, depuis le début du confinement. Je suis pas sortie de chez moi. Je suis à la maison avec bébé Aiden et Omalé. Et mon chéri, il travaille. Comme vous le savez, il est ambulancier, donc lui, il travaille. Ben, moi, je travaille pas. Puis voilà. Et je m'occupe de mon fils. Déjà, c'est du boulot de s'occuper d'un bébé. Je suis au travail H24 avec mon fils, mais c'est un boulot que j'adore, que j'ai désiré et que j'adore. Voilà. Mais du coup, ben, je ne vlog pas parce que je ne sais pas trop quoi vous raconter. Juste prendre ma caméra et vloguer comme ça, je me dis que c'est bien. Mais en même temps, je ne sais pas trop si ça va vous plaire ou pas. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais essayer de vloguer. Ça va être bien. Si je ne clôture pas le vlog aujourd'hui, ben, je le clôturerai en fin de semaine. J'essaierai de faire tous les week-ends. On est vendredi aujourd'hui. Je crois qu'on doit être le 10 ou le 11 ou le 9. En tout cas, on est entre les trois. Et là, il est 11h30. Bébé Aiden fait dodo. Il s'est réveillé ce matin vers 7h30. Je lui ai changé la couche. On a joué jusqu'à 9h. En fait, il aime bien jouer le matin, mon fils. C'est un truc de fou. J'aime trop. Il a 2 mois et demi maintenant. C'est dingue comme il est bien éveillé. Et comme il est bien gros aussi avec ses grosses choux, j'aime trop. Donc là, on a joué un tout petit peu de 7h30, 7h40 jusqu'à 9h. À 9h, il a tété, il s'est rendormi. Il a commencé à chouiner. J'ai su que c'était l'heure de le recoucher, quoi, pour qu'il dorme. Mais on est resté au lit, hein, pendant tout ce temps. Quand on joue, on reste au lit, on regarde par la fenêtre un peu. Il joue. Il a son mobile aussi qu'il aime bien quand ça tourne. Et il joue avec moi. Je lui parle, je lui raconte plein d'histoires. Je le filme, je mets la musique. Voilà, on fait tout ça dans le lit tous les deux, en amoureux. Et là, je me suis levée, j'ai déjeuné avec des pâtes. Il me restait des pâtes à la carbo d'hier que j'ai mangé ce matin à 11h. J'avais pas envie de déjeuner avec un thé. Et là, je vais essayer de me faire des tresses. Du coup, j'ai préparé. Avant, j'ai d'abord préparé les habits pour bébé Biden. Tout à l'heure, quand il va se lever, je vais le laver. Et ensuite, avant qu'il se réveille, moi, je vais commencer à me tresser. C'est pour ça que j'ai sorti le tapis et les mèches. Je vais me faire des petites tresses parce que j'en peux plus d'avoir les cheveux tressés en arrière comme ça. J'aimerais bien être coiffée et voilà. Eh bien, je vous laisse avec moi et je vais essayer de vous montrer un peu ma journée. Bisous, à tout à l'heure. Il se passe rien de spécial dans ma vie en ce moment. Donc voilà, on est à la maison et il fait hyper beau à Marseille. Regardez le grand soleil. Ah, je vous ai pas dit, je me suis créé un compte TikTok. C'est Amy Chaton 20. Allez me suivre. Je vais vous mettre juste la TikTok, Amy Chaton 20. Voilà. J'aime trop. Franchement, je kiffe en ce moment TikTok. Je suis toujours en train d'essayer de faire les pas de danse et tout. Mais je fais pas beaucoup, beaucoup de choses. Mais voilà. C'est déjà bien ce que je fais, je trouve. Je crois que bébé Aiden s'est réveillé. Là, je crois qu'il est en train de bouger. On va attendre 2 petites minutes. Même pas, on va attendre une minute ou deux. Allez, venez, on va aller voir bébé Aiden. Il s'est réveillé, mon petit chat. Il a senti que je voulais me coiffer, donc il s'est dit non, 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 maman, je vais pas te laisser te coiffer. Moi, je me réveillais avant. Il dort dans le lit de ses parents. Mon chat, l'amour de ma vie, mon bébé, mon bébé, bébé d'amour à moi, bébé d'amour à moi. Oh. Oh, mon bébé d'amour. Il est pas complètement réveillé encore. Bébé d'amour à moi. Ben non, je veux pas vous le voyez.
Il y a son lit dodo juste à côté, mais le matin, comme il joue avec moi, je le mets dans mon lit. Au final, il finit sa nuit sur mon lit à moi. Sur notre lit à nous. À moi et chaton, bien sûr. Mais voilà, on va laisser tomber les tresses et je m'occupe de mon bébé d'amour. À tout à l'heure. L'amour de ma vie. Je ne veux pas laisser maman se faire les tresses, toi. T'as décidé que maman, elle va se toucher ses cheveux, moi je me réveille. Parce que moi j'ai un bébé comme ça. J'ai un bébé qui peut pas laisser maman faire ce qu'elle veut. On va chercher le linge? Je vous ai pris, il était à peine 11h. J'ai bien avancé, regardez. Attendez, je vais vous montrer directement dans la glace. Je trouve que j'ai bien avancé. Bébé Aidenou a fait dodo tout à l'heure et là, ça y est, il s'est réveillé. Il a joué encore un peu avec maman. Là, il a fait un petit poupou. On va changer la couche et je vais aller le laver. Il est midi maintenant. Donc, je vais aller faire couler. C'est bon, il bouge pas, il est bien. Je vais aller faire couler son bain pendant qu'il est là. Qu'il est tranquille. Ce qui est bien avec cette baignoire, c'est que je peux faire ça, faire couler l'eau. Et après, je viens et je vérifie. Aidez-nous, va laver. Aidez-nous, va laver. Aidez-nous, va laver. Hop là. Mon bébé d'amour à moi, c'est bébé Aiden. Mon bébé d'amour à moi, c'est bébé Aiden. Mon bébé d'amour à moi. Allez, on va aller habiller bébé Aiden, d'accord? Hein, bébé Aiden, tu leur dis, on va aller t'habiller? Hein, regardez comme il est beau. Allez, on y va. Les gars, comme vous pouvez voir, j'ai bien avancé sur mes tresses, mais bébé Aiden ne veut pas faire la sieste. Donc, du coup, je le mets au dos. Comme ça, au moins, il va dormir. Et après, je vais le coucher. Arrête, Omalé. Omalé, il est en train de jouer avec mon œuf. Il va faire tomber. Il va le faire tomber. J'ai sorti des œufs pour me faire une petite omelette dans le pain. Oh mon dieu, j'ai eu des œufs gratuits tout à l'heure par l'homonyme d'Aiden. Il m'a ramené des œufs, mais il l'a mis dans l'ascenseur. Moi, j'ai récupéré. Et comme j'en avais beaucoup, du coup, j'ai donné la moitié à mes soeurs pour qu'elles vous saisonnent un peu. Et elles vont faire des gâteaux aussi avec. Et donc là, je me mangeais des œufs avec du pain. Ma soeur, en venant récupérer ses œufs, elle m'a mis du pain aussi. Elle m'a acheté une baguette que j'ai récupérée, mais elle n'est pas rentrée chez moi. Elle n'a pas touché mon pain. Le sachet avec lequel elle l'a pris, je l'ai jeté dans la poubelle. Donc, du coup, en fait, on ne s'est pas touché du tout. On s'est vu de loin, en fait. C'est tout. On m'a dit, descends de là. Descends, tu sais que tu n'as pas le droit de monter. Allez, allez, descends. On m'a dit, stop. Allez, allez.
Voilà, donc là j'ai fait une petite pause, il est 2 h. Je vais manger, me faire vite fait à manger. Je me suis lavé les mains aussi. Vite fait me faire à manger, manger un tout petit peu et essayer de faire dodo bébé Eden. Et dès que chaton va venir, si chaton il rentre avant 8 h, je vais aller faire 2-3 courses. Comme ça en même temps, ça va me faire souffler un peu parce que j'en peux plus d'être enfermée. Sérieusement, je crois que je vais péter les plombs. Au moins aller faire 2-3 courses, ça va me faire respirer un tout petit peu de l'air. Voilà, et me faire souffler aussi. Ma caméra est un peu penchée. Voilà. Donc là, on va essayer de faire faire dodo ce petit bonhomme. Un bébé, aidez-nous. Il veut pas. Pourtant, il a été lavé, il est propre, la couche est nickel. J'ai vérifié sa couche tout à l'heure, pour alors que je l'ai mis à midi, mais sa couche est nickel. Je lui ai donné tété, il s'endort 10 minutes, mais il se réveille. Donc là, il n'a pas trop envie de dormir, quoi. Et mes cheveux sont bordel. Là, c'est mes vrais cheveux. Et derrière, j'ai les mèches. J'ai attaché parce que du coup, sinon, ça va embêter mon fils derrière. Mais c'est pas très long. Je vous montre à peu près. Ça donne ça. C'est vraiment pas long. Et c'est pas pratique de se faire des tresses avec des faux ongles. Franchement, c'est vraiment pas pratique. Mais j'attache parce que j'ai peur que ça embête un peu mon fils. Allez, je me fais une petite omelette. Je mets ça dans le pain et je mange ça. Bisous, à tout à l'heure. Aujourd'hui, on est vendredi. Oh non, on est samedi. Hier, on était vendredi. Aujourd'hui, on est samedi. Je vous reprends que le lendemain. Ça y est, j'ai fini de me faire les tresses. Là, je suis en train de faire un petit bibi pour bébé aider nous parce que moi, je vais aller faire les courses et du coup, son père va lui donner le bibi. Comme je vous disais, le bibi, il le voit vraiment une fois de temps en temps. Là, ça fait genre plus d'une semaine qu'il n'avait pas vu de bibi en plus. Il voit que mes seins parce que du coup, comme on est à la maison. Comme on est à la maison, et ben, il est juste au sein, il n'est pas au bibi. Et depuis tout à l'heure, je suis en train de faire plein de TikTok avec mon fils. C'est trop bien, j'aime trop TikTok. Si vous ne me suivez pas encore, si vous ne savez pas, je suis sur TikTok. C'est Amy Chaton 20. Voilà. Chaton est là. Il va donner à Bibi à son fils. Tiens, bébé. Je l'ai posé parce qu'il traîne. Hein. Il traîne à le poser et à lui donner. Moi, je vais vite faire me boire un thé et après, je vais aller vite, vite faire les courses. Je vais faire les courses, comme ça, moi, ça me permet de souffler un peu parce que c'est toujours moi qui enferme à la maison. C'est toujours Chaton qui va faire les courses. Donc là, du coup, c'est moi qui vais aller faire les courses. Comme ça, au moins, je souffle un peu. En plus, il fait hyper beau et j'ai envie de sortir aussi un tout petit peu. Donc là, je vais manger vite fait. Donc, je vous disais, je vais manger une petite gaufre avec mon thé. Je vais mettre de la confiture de fraises vite fait dessus et je vais vous montrer vite fait les TikTok que j'ai réalisé. Attendez, là ce que je viens de faire c'est ça avec bébé, aidez-nous. Je sais pas si vous voyez bien. Oh. Voilà, bisous. Je vais déjeuner vite fait et après je sors. Les gars, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression de revivre là. Attendez, ça fait tout noir parce que la caméra est au soleil et le temps que ça s'adapte, on me voit toujours pas. Voilà, c'est mieux. Du coup, là, je vais aller faire les courses et vite rentrer. Ça fait trop bizarre de sortir, je vous jure. J'ai l'impression que ça fait genre 20 jours que je ne suis pas sortie de chez moi ou un an. Pas 20 jours, ça fait genre un an que je suis pas sortie. C'est trop, trop dur. Chaton, il est trop collé au voisin. Regardez, il y a à peine la place pour monter dans la voiture. Putain, c'est collé comme pas possible. Allez.
J'ai fait mon autorisation sur le téléphone puisque là maintenant c'est autorisé. Donc c'est génial. C'est très 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 bien. Donc là je vais aller faire les courses à Auchan à 2 km, 3 km de chez moi à peu près. Et après je rentre. Je vais acheter plein de trucs et après je rentre. Normalement j'ai les sacs derrière dans le coffre pour faire les courses. Allez, bisous, à tout à l'heure. Mon bébé me manque déjà. Mais là ça va, il faisait la sieste quand je suis partie. Il a commencé à devoir s'endormir quand je suis partie. À la de suite.